Bon et bienvenue à notre réunion de l'Église de Portail en ligne. Je me présente, je suis Thierry Cherilus le responsable des ados sur le site de Saint-Eustache. Si tu nous écoutes pour la première fois, donne-moi une minute pour te présenter notre merveilleuse Église. L'Église de Portail, c'est une Église ayant plusieurs sites, dont Laval, Terrebonne, Saint-Eustache, Abitibi. Et pour Pâques 2023, nous ouvrirons notre cinquième site situé à Montréal-Nord. Notre mission était assez simple. Aider tout le monde à découvrir que tout a toujours rapport avec Jésus. Alors, si tu en désires en savoir plus, je t'invite à consulter notre site internet au www.egliseleportail.com ou notre page Facebook afin de connaître notamment nos différentes heures de réunion et les coordonnées de nos sites. Notre église offre différentes activités hebdomadaires. Nous avons notre service clic pour les enfants où ils reçoivent un enseignement adapté à leur âge où ils peuvent cliquer avec Jésus et leurs amis. Notre ministère Accès. Pour les ados et portage jeune adulte pour les jeunes adultes se Je retrouvent les vendredis soirs à 19h30 au site de la balle pour plus d'informations consultez leur page facebook respective nous avons des petits groupes qui se réunissent dans les maisons afin de partager sur la parole de dieu et prier ensemble vous désirez connaître où se situe un groupe près de chez vous écrivez à notre équipe à petit à commercial de portail.com alors sans plus tarder Écoutons le message que Dieu a pour nous aujourd'hui. Bienvenue à cette prédication du portail où tout a toujours rapport avec Jésus. Nous sommes dans le livre d'Esther, déjà le quatrième message, quatrième chapitre, donc sans tarder, tu peux ouvrir ta Bible avec moi. Et on voit que dans le livre d'Esther, Dieu se révèle comme un Dieu dans les temps difficiles, dans ces temps pour les chrétiens où ce n'est pas toujours facile. Euh, particulièrement où on voit de, où euh, s'en va la culture, être chrétien, se tenir pour Jésus, c'est de moins en moins facile. Et on a vu que Dieu est un Dieu pour ce temps de confusion. Alors qu'il euh, y a des, des confusions sur le bien et le mal, sur plein de choses, Dieu est un Dieu pour son peuple dans ce temps-là. On a vu que Dieu est un Dieu pour ce temps de déportation. Euh, la Bible dit que les chrétiens voyageurs étrangers sur la terre. Euh, on a vu que Dieu est un Dieu pour ce temps d'oppression. Et aujourd'hui, nous allons voir que Dieu est un Dieu pour ce temps d'indécision. L'indécision est un problème majeur dans le christianisme moderne. Plusieurs d'entre nous, lorsqu'on arrive au restaurant, on a un menu et quelquefois, c'est tellement difficile de choisir parce qu'il y a tellement de choix. Et dans la vie, il y a tellement de choix à faire à chaque instant que peut-être que tu es paralysé, même de prendre des choix pour Jésus, c'est paralysant parce qu'on a tellement, on peut se tromper. Et quelquefois, on refuse de décider, on refuse de faire des choix pour ne pas se tromper, mais ne pas faire de choix est un choix. Et si tu ne choisis pas, quelqu'un va choisir à ta place. C'est le président Reagan qui a régné dans les années 80 aux États-Unis qui disait que, à un moment donné, il était voir un cordonnier pour avoir des chaussures sur mesure, puis le cordonnier lui a demandé, est-ce que tu veux des chaussures à bout pointu ou à bourron? Et Reagan dit, ah, je ne sais, ah, euh, euh, sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, décide. Et lorsqu'il a été chercher ses souliers, une histoire vraie, lorsqu'il a déballé, il a ouvert la boîte, il s'est rendu compte qu'il y avait le soulier gauche avait un bout pointu et le soulier droit avait un bout rond. Et le cordonnier lui a dit, mon ami, si tu ne prends pas les décisions par toi-même, quelqu'un va prendre les décisions à ta place. Et en tant que chrétien, ne pas décider, c'est laisser les autres décider à ta place. Tu as des décisions à prendre dans ta vie, au travail, dans ta maison. Si tu ne décides pas, quelqu'un va décider à ta place. Et encore une fois, ne pas décider est une décision. Si tu es dans un avion, l'avion est en train de crasher, tu as ton parachute, je ne sais pas, si tu as déjà fait du parachute, j'en ai déjà fait. C'est assez angoissant lorsque la porte s'ouvre et que tu fais face à l'immensité. C'est quelque chose de très peine c'est une expérience assez unique. Et peut-être que tu es là et tu te dis je ne suis pas capable de me décider de sauter puis tu peux attendre, tu peux attendre, tu peux attendre. Et à un moment donné, l'avion va crasher. Il n'a pas décidé c'est décidé de rester dans l'avion. Et c'est ce qu'on voit. Esther ne se décide pas et Dieu, dans sa grâce, va l'amener à décider. Et ce que nous allons voir, c'est l'importance de plusieurs décisions. Chaque chrétien fait face à des décisions importantes que tu dois régler très, très tôt dans ta vie chrétienne. Sinon, ça va être très problématique pour toi de suivre Jésus. Au Canada, et j'aime vraiment cette histoire-là, au Canada, dans les recherches, il y a un endroit qu'on appelle The Great Divide, la Grande Division. Et ce qui est fascinant, c'est une goutte d'eau qui tombe, un millimètre plus loin, une autre, la même goutte d'eau, une autre goutte d'eau. Va se retrouver dans l'océan Pacifique et l'autre dans l'océan Atlantique. Deux gouttes qui tombent à des endroits pratiquement identiques se retrouvent dans deux océans complètement différents. Et nos petites décisions ont une influence sur nos vies. Quelqu'un a dit sème une décision, tu vas récolter une action. Évidemment. Sème une action, tu vas récolter une habitude. Sème une habitude, tu vas récolter un comportement. Sème un comportement, tu vas récolter un caractère. Sème un caractère, tu vas récolter une destinée. Et de prendre les bonnes décisions pour Jésus, c'est fondamental. D'ailleurs, même Jacques va dire, un des problèmes dans l'Église, c'est les chrétiens indécis. Et c'est ce qu'on va voir. Alors qu'il y a un plan d'extermination du peuple de Dieu et le peuple peut se retrouver dans la mort, on va voir qu'il y a un revirement et Dieu, dans sa grâce, va faire en sorte que le peuple va, va être préservé grâce à une décision d'Esther. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est euh, où Esther va véritablement devenir la reine Esther. Dans le livre d'Esther, il y a 13 mentions de la reine Esther. On parle d'Esther, mais la reine Esther, il y a 13 mentions. Et 12 de ces mentions sont après l'épisode qu'on va voir aujourd'hui. C'est un moment où Esther devient vraiment la reine Esther. Et nous, on a tous des moments d'Esther dans nos vies où peut-être que tu es chrétien et croyant, puis il y a un moment où tu deviens véritablement un disciple de Jésus. Non pas parce que tu prouves des choses, mais il y, y a une expérience de maturité qui t'amène à prendre des décisions qui impactent toute ta, toute ta vie. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc, sans plus tarder, six décisions spirituelles qui influencent la destinée de chaque chrétien. Esther, quatrième chapitre. Donc, tout juste après, l'Édit, le décret d'extermination du peuple de Dieu. Voici ce que dit la parole de Dieu. Verset 1. Lorsque Mardoché eut connaissance de tout ce qui se faisait, il déchira ses vêtements et prit le sac et la cendre en signe de deuil pour aller dans la ville. Il poussait de grands cris amers. Je vais arrêter ici un instant. La première chose que tu dois décider, que chaque chrétien doit régler dans son cœur, décide si l'enfer est vraiment réel. Et là, tu te dis, Wow, pasteur Guetta, j'ai l'impression que tu, je sais pas où tu vas chercher, chercher ça, reste avec moi. Décide si l'enfer est vraiment réel. On voit que dans Esther 3.13, il y a un plan pour exterminer le peuple de Dieu. Et la Bible nous dit que ce plan-là est articulé par Amman, qui est appelé l'ennemi du peuple de Dieu. Maintenant, derrière ce combat, ce conflit, il y a un grand combat spirituel. Amman est un Amalicite. Et dans la Bible, c'est le premier peuple qui a attaqué le peuple de Dieu. Un petit peu plus tard dans l'histoire, ce qui a amené la chute de Saül, c'est Agag qui était un Amalicite. Et ce qu'on voit, c'est que derrière le combat entre les Amalicites et les Israélites, en fait, c'est un reflet du plus grand combat spirituel qui se passe entre le diable et Jésus. D'ailleurs, la Bible va dire, Jésus va dire que l'ennemi, c'est Satan. Quand on regarde, Jésus va dire que Satan est meurtrier depuis le commencement. Il y a un plus grand meurtrier qu'Aman sur le peuple de Dieu et c'est Satan. Jésus va dire dans Jean 10, 10, que alors qu'il est, est venu pour donner sa vie, la vie en abondance à ses brebis, euh, le diable, c'est un voleur qui vient seulement pour voler, pour tuer et détruire. Et encore dans notre monde aujourd'hui, le Haman spirituel a un plan d'extermination dont son but, c'est de voler l'humanité, c'est de détruire l'humanité, c'est de tuer l'humanité. Et son, le but ultime de Satan, c'est d'amener l'humanité avec lui en enfer. Jésus a dit que l'enfer a été préparé pour Satan et pour ses anges. À la base, l'enfer n'a pas été créé pour l'humanité. Elle a été créée pour Satan. Mais Satan veut s'assurer de ne pas se retrouver seul en enfer et son but, et sur le méga-plan de Satan, c'est de faire en sorte d'amener l'humanité avec lui en enfer. Et c'est pourquoi ce qu'on voit ici dans le livre d'Esther reflète un combat beaucoup plus large. Et tu dois justement faire la paix avec cette notion, cette doctrine, est-ce que l'enfer est vraiment réel? On a posé la question à R.C. Sproul, le grand théologien. Quelle est la doctrine avec laquelle tu, tu luttes le plus Puis le dit, c'est l'enfer. C.S. Lewis a dit s'il y avait une doctrine que je pouvais enlever du christianisme, ce serait l'enfer. Le problème, va dire C.S. Lewis, c'est que cette doctrine, elle est enseignée partout dans l'Écriture et Jésus en a parlé plus que n'importe qui. Dans le Nouveau Testament, il y a 264. Référence à l'enfer, à la perdition, à la ruine, à la séparation de l'humanité avec Dieu. Je sais que je les ai comptés avant d'arriver ce matin. Dans les paraboles de Jésus, au-delà de la moitié, vont parler de cet enfer. Dans, certains même vont, vont, certains commentateurs vont dire que dans toutes les paroles de Jésus, 13 des paroles de Jésus parlent de la GN, parlent de l'enfer. Maintenant, notre problème avec l'enfer, c'est qu'on a une vision de l'enfer qui ne vient pas de la Bible. On a la vision un peu de Dante, où on voit l'enfer comme étant une humanité qui est là et Dieu est un bourreau qui se réjouit et qui lance allégrément des pécheurs en enfer. Ce n'est pas ça que la Bible dit. Ce que la Bible dit, premièrement, l'enfer n'est pas la séparation d'avec Dieu. L Apocalypse 14, 10 dit que dans le feu éternel, dans le tourment du feu éternel, ce feu-là est devant l'agneau. Maintenant, tu as besoin de comprendre qu'est-ce que la Bible dit sur le cœur humain. En fait, l'enfer, ce n'est pas tellement Dieu qui met des gens en enfer, c'est des gens qui choisissent l'enfer. Mais tu te dis, mais comment est-ce possible de choisir l'enfer? Personne ne veut ça. L'être humain pécheur préfère l'enfer à la sainteté de Dieu. C'est pourquoi, dans Romains 2, 2, ça dit que Dieu a livré l'humanité à l'impureté de la convoitise de son cœur. Maintenant, c'est John, c'est Paul Washer qui va dire la véritable vision biblique de l'enfer. C'est pas une humanité qui est là, qui, qui souffre, qui sont de bonnes personnes, qui voudraient se repentir, qui regrettent, Non! Puis Washer va dire que si Dieu ouvrait la porte de l'enfer, il disait à l'humanité pécheresse, venez à moi, je vous ferai, je vous faire grand, je vais vous pardonner. Qu'est-ce que l'humanité ferait selon la parole de Dieu? Tellement corrompu, ne désirant tellement pas Dieu, et tellement incapable de soutenir la sainteté de Dieu, que l'humanité refermerait la porte de l'enfer en disant nous préférons retirer en enfer que de contempler ta sainteté. Et notre problème, c'est qu'on ne réalise pas ce que la Bible dit sur la nature humaine, sur notre révolte, sur notre cœur, sur notre corruption, sur notre perdition. c'est pourquoi, un, un grand écrivain, Chester Stone, a dit la chose suivante L'enfer est le plus grand compliment que Dieu a donné à la dignité de la liberté humaine. Des gens qui disent toute leur vie Je ne veux rien savoir de Dieu, ne voudront pas plus savoir quelque chose de Dieu dans l'éternité. Donc, la réalité, quand on regarde à cette dimension-là, décide si l'enfer est vraiment réel. Parce que si l'enfer n'est pas réel, Jésus est venu pour rien. Maintenant, quand nous réalisons la réalité de l'enfer, ça change ta manière de vivre. Ça change les décisions que tu prends, les choix que tu fais. C'est Spurgeon qui va dire Si les pécheurs sont damnés, qu'ils doivent, qu doivent au moins passer par-dessus nos propres corps avant d'aller en enfer. En anglais, Spurgeon va dire Over my dead body. Oui, l'enfer existe, une humanité qui va en enfer, mais le chrétien qui connaît la réalité de l'enfer, tu veux te mettre dans le chemin de ceux qui vont en enfer. S'ils périssent, dit Spurgeon, qu'ils périssent avec nos bras enroulés autour de leurs genoux, les implorant de ne pas y aller. Si l'enfer doit être rempli, qu'il soit rempli, mais sans avoir mis tous nos efforts afin de ne laisser personne y aller, sans avertissement ni prière. Le chrétien qui décide si l'enfer est vraiment réel, selon ce que dit la parole de Dieu, ça change complètement ta manière de vivre. Vous savez, au portail, pourquoi est-ce qu'on implante des églises? Bientôt, on va être à notre cinquième église. Pourquoi on prie pour 10 Pourquoi on prie pour dix mille disciples? Pourquoi on forme des gens? Pourquoi? 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 On aurait tellement d'autres choses à faire. On pourrait mettre tellement notre argent ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que notre monde marche sur une fine couche de pourriture qui est tenue par la grâce de Dieu. Et à chaque instant, il y a des gens qui tombe dans l'enfer éternel. Et l'éternité, c'est long. Et Jésus est venu non pas pour perdre, mais pour sauver. Et chaque église locale qui est implantée, c'est un filet de grâce que nous y tirons, afin qu'encore une fois que Jésus, par sa grâce, se sert de ce filet pour en sauver, alors que des gens tombent, 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 tombent. On a besoin de filets un peu partout au Québec. Et même si on arrive à des endroits où il y a déjà des églises. On a besoin d'encore plus de filets, de filets, de filets, de filets. C'est la raison d'être d'une église locale. Et tout ce qu'on fait, et ce que je fais maintenant, c'est étendre un filet afin que quelques-uns qui entendent la parole puissent se confier en Jésus, ne pas tomber dans l'enfer éternel, mais être sauvés par grâce. Décide si l'enfer est vraiment réel. Sinon, tu vas avoir un christianisme superficiel. Deuxième chose, on continue. « Mardoché parvint ainsi vis-à-vis -vis de la conciergerie royale, car il était impossible de pénétrer dans la conciergerie royale habillé d'un sac. » Donc, il s'est mis un sac de jute, on pourrait dire, pour, pour, en signe de deuil. « Dans chaque province, partout où parvenait l'ordre et l'édit du roi, il y a eu un grand deuil chez les Juifs. » Écoute bien, trois verbes. « Il jeûnait, pleurait, se lamentait. » Retiens ça, jeûner, pleurer, lamenter, jeûner pleurer, lamenter, tu vois pourquoi je mets l'accent là-dessus. Beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Les jeunes servantes d'Esther et ses eunuques vinrent, le... la reine en fut toute bouleversée. Elle envoya des vêtements pour un habiller mardoché à la place du sac qu'il avait sur lui, mais il n'accepta pas. La deuxième question que le chrétien doit régler assez rapidement dans sa vie, c'est décide si la Bible est vraiment la parole de Dieu. En fait, ce qui prend place ici, c'est assez particulier parce que les trois verbes qu'on a, ici, jeûner, pleurer, se lamenter, on a ça à un seul autre endroit dans la Bible, cette même séquence. Et les commentateurs vont dire qu'en fait, ce que Mardoché fait, ce que le peuple de Dieu fait, c'est qu'il revient à la parole de Dieu. Pourquoi? Permets-moi de te lire quelque chose. Joël 2, le verset 12. Des années auparavant, Dieu avait fait une promesse. Il dit, lorsque mon peuple va se révolter, regarde ce que la parole de Dieu dit. Maintenant encore, parole de l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez à l'Éternel votre Dieu car il fait grâce. Ce qui prend place ici, Mardochée réalise qu'au-delà d'Aman, au-delà de au-delà de tout ce qui peut prendre place dans l'empire de Perse, ce qu'ils réalisent, c'est que le jugement de Dieu est sur leur vie. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils sait que le Dieu de la Bible fait grâce. Et Dieu a dit, je vous ferai grâce, mais revenez, pleurez, lamentez-vous. Et c'est précisément ce que fait Mardoché. Et en enfin, fait, ce que nous voyons ici, c'est que le peuple de Dieu revient à la parole de Dieu. Le peuple de Dieu se confie dans la parole de Dieu et croit à la parole de Dieu. Ça semble évident, mais ce n'est pas. Vous savez, c'est Ezit Tower qui a dit « Les chrétiens ne disent pas de mensonges. Ils vont seulement à l'Église et les chantent. » Tu as le droit de dire aïe. Les chrétiens ne disent pas de mensonges. Ils vont à l'Église et ils chantent des mensonges. Qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce que ce qu'on chante, vous savez, au portail, on, a, on est très rigoureux, on regarde est-ce que les chants sont bibliques, est-ce qu'ils sont christo Est-ce que ça veut dire que ce qu'on qu chante le dimanche matin pendant le culte, c'est des mensonges? Non. Ce qu'il veut dire, c'est que beaucoup de chrétiens vont chanter des choses qu'ils ne croient pas vraiment. à hein, mon ami? Quand on chante le nom de Jésus, plus précieux que n'importe quel autre nom, vraiment? Est-ce que tu crois vraiment ça? Quand on chante Dieu Tout-Puissant, est-ce que tu crois vraiment que Dieu est Tout-Puissant? Grâce infinie, est-ce que, est que vraiment tu crois que la grâce est infinie? Ou est-ce que tu n'as pas plutôt une conception d'une grâce limitée dans ta vie? Hein, tu limites la grâce de Dieu dans ta vie. Christ est ma joie, vraiment? Vraiment? Je suis enfant de Dieu. Vraiment? Est-ce qu'on croit ça de tout notre cœur? Ma seule fondation. Est-ce que vraiment, 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 Jésus est ta seule fondation? Oui, prends tout, Seigneur. Sauf ça, 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 puis ça. En fait, ce qu'on déclare le dimanche matin, par exemple, c'est une application. Ce qu'on met, ce qu'on chante, c'est la parole de Dieu. Mais est-ce qu'on croit vraiment? Est-ce qu'on croit vraiment ce que dit la parole de Dieu? Est-ce qu'on croit vraiment ce que nous commande la parole de Dieu? Vous savez, dans la maison, ma femme, elle me fait une liste de travaux. Elle, elle voit ça comme les dix commandements. Moi, je vois ça comme une liste de propositions. J'ai comme dix choses, ça se peut que j'en fasse une ou deux, c'est une proposition. Ce livre-là n'est pas une liste de propositions. Mardochée, le peuple de Dieu, réalise que pendant trop longtemps, ils ont pigé dans ce livre-là ce qui faisait leur affaire et ont délaissé le reste, qui ne faisait pas leur affaire. Mon ami, tu as besoin de décider est-ce que ce livre-là est vraiment la parole de Dieu et Si ce livre-là est vraiment la parole de Dieu, ce livre-là est suffisant, ce livre-là est infaillible, ce livre-là fait autorité, ce livre-là ce livre est le livre le plus précieux de ta vie et ce livre-là est au-dessus de ta vie. Et ce livre-là, ce qu'il dit, c'est Dieu qui parle. Il y a des critiques qui n'ont pas réglé ça dans leur vie encore. Ils honorent la parole de Dieu. Ils reconnaissent, oui, mais décident si c'est vraiment la parole de Dieu. Vous savez, non seulement ce qu'elle a bien mais les promesses qui sont là, est-ce que tu crois vraiment les promesses de la parole de Dieu? Parce que dans ce livre-là, il y a non seulement des commandements, il y a de nombreuses promesses. Vous savez, la Bible dit que toutes les promesses sont oui et amen en Jésus. Trop de chrétiens voient les promesses de Dieu un peu comme un, quand tu vas commander quelque chose sur Amazon. Hein, tu regardes un peu, ça défile, puis à un moment donné, tu cliques, tu commandes quelque chose. Hein? Tu regardes dans la Bible, puis là, maman dit, promesse de paix, puis là, tu pries là-dessus, Seigneur, je te commande la paix, envoie-moi la paix. Mais ça, tu, tu confonds un peu l'exhaustion de ta prière avec les promesses de Dieu. Ce n'est pas ça, les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu, ce n'est pas Dieu qui t'envoie par-ci par-là des promesses. La Bible dit qu'elles sont oui, emmènent en Jésus. Les promesses de Dieu, ce n'est pas des choses que Dieu t'envoie par-ci par-là. C'est un flot continu dont tu es porté par le Saint-Esprit. Puis il y a des choses que tu pries, tu ne dois pas prier. Tu dois simplement croire que c'est le cas. Ne prie pas, Seigneur, sois avec moi. Si tu es un enfant de Dieu, crois que Dieu est avec toi. Jésus a dit, Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu n'as pas besoin de commander la présence de Dieu. Il est avec toi. Tu n'as pas besoin de prier, Seigneur, sois fidèle. Il est fidèle. ne peut se renier lui-même. Ne prie pas, Seigneur, abandonne-moi pas. Il a dit Je ne te délaisserai ni t'abandonnerai C'est une promesse. Donc, ne fais pas une requête conditionnelle, ce qui est une promesse. En Jésus, c'est oui et amen. Dieu est fidèle. Dieu est avec toi, Dieu marche avec toi. Ne crains pas. Donc, est-ce qu'on croit ce livre-là? Quand tu as péché et tu te sens coupable pendant des jours et des jours et des jours, tu as besoin de croire que le sang de Jésus purifie de tout péché. La repentance peut prendre du temps. Je comprends ça. Il y a des gens qui, qui luttent avec Dieu pour que Dieu les pardonne. Tu es pardonné instantanément. Dès l'instant où tu te repens, tu es pardonné en Jésus. Le sang de Jésus purifie de tout péché. Et à toi qui s'est éloigné du Seigneur et que tu as peur de revenir, tu n'as pas besoin de dire Jésus, accepte-moi. Il a dit, Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Donc, mon ami, les promesses de Dieu sont oui amen. Décide, ce livre-là est la parole de Dieu. Est-ce que ce livre-là est la parole de Dieu? Ben, si oui, crois la parole de Dieu. Troisièmement, continue verset 5. Alors Esther appela Attaque, l'un des eunuques que le roi avait commis à son service. Elle lui donna des ordres au sujet de Mardoché pour savoir de quoi il s'agissait et quelle en était la raison. Attaque sortit vers Mardoché sur la place de la ville vis-à-vis -vis de la conciergerie royale. Mardoché lui rapporta tout ce qui lui arrivait ainsi que le détail de l'argent qu'Aman avait promis de peser dans les coffres du roi pour qu'on fasse périr les Juifs. Il lui donna aussi une copie du texte de l'édit d'extermination qui avait été publié à Suse. Il la montrera à Esther, il fera un rapport en lui ordonnant d'aller chez le roi pour demander grâce, de l'implorer en faveur de son peuple. Tu as besoin de réaliser, tu as besoin de décider si Jésus est vraiment sauveur. Puis je sais qu'il y a des choses qui semblent évidentes, mais pas tant que ça. Ici, on voit la clé, c'est d'aller devant le roi afin de trouver grâce, d'obtenir la faveur pour le peuple. Le peuple de Dieu avait la parole de Dieu. Hein? Je bâtis sur ce que je viens de prêcher. Et il savait que le, le roi, en fait, ce n'est pas tellement la faveur du roi de Perse qu'ils avaient besoin, c'était la faveur du roi des rois. Ils connaissaient la parole de Dieu des proverbes du proverbe qui dit que le cœur du roi est comme un courant d'eau entre les mains de l'Éternel qui l'incline là où il veut. Derrière cette demande de grâce, en fait, c'est un appel à la grâce de Dieu. La véritable faveur qu'ils réclament, c'est la faveur de Dieu au travers le roi. Mais ils connaissent la source de cette faveur et la source de cette grâce. Et la question, c'est est-ce que tu connais vraiment la grâce de Dieu est-ce que Jésus est vraiment ton sauveur? Parce que quand Jésus est vraiment ton sauveur, quand Jésus est vraiment sauveur, as tout à coup une nouvelle compréhension de la grâce de Dieu. Est-ce que Jésus est ta solution? Jésus veut pas être ta solution. Jésus est pas une solution. Jésus est pas la meilleure solution. Jésus est ta seule solution. La Bible dit, le salut est en aucun autre. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel vous puissiez être sauvés. Jésus est la seule solution. Ce peuple de Dieu espérait et savait que Dieu était leur seule solution, pas le roi. Ils espéraient dans l'avenue du roi ultime. Il y a beaucoup de choses dans ce texte-là et je n'ai pas le temps de creuser. Et c'est pourquoi je vais aller directement à l'application. Est-ce que Jésus est véritablement sauveur pour toi? Est-ce que Jésus est vraiment ton ultime solution ou seulement ta police d'assurance? Il n'y en a pas d'autres. Est-ce que tu réalises combien tu es perdu? Est-ce que tu réalises combien tu as besoin d'un sauveur? Est-ce que tu réalises combien ton cœur est corrompu? Est-ce que tu réalises combien Dieu t'aime? Puis il a envoyé son fils. Il n'y a jamais un Dieu qui a fait ça. Bouddha n'a pas fait ça. Krishna n'a pas fait ça. Mahoma n'a pas fait ça. Jésus est le fils de Dieu. Il est venu marcher sur la terre. Il a fait ce que personne a fait. Dans tous les, les fondateurs de religion, aucun prétendu être parfait. Jésus est sans péché. Et non seulement il est sans péché, il n'a pas dit, vous voyez mon exemple, suivez-moi, il est dit, tu peux tellement pas suivre mon exemple que je vais mourir pour toi. Est-ce que quelqu'un est déjà mort pour toi? Oui, il n'y a personne qui est mort pour moi par Jésus. Et hors de Jésus, il n'y a aucun philosophe qui est mort pour moi. Il n'y a aucun grand fondateur de religion qui est mort pour moi. Jésus est mort. Et à la croix, il a porté mon péché. Non seulement mon péché passé, présent et futur. Et quand j'avais ma foi en lui, il me pardonne par grâce, pas par ma performance, pas par ma religion. Et non seulement il me pardonne, il me purifie, il me sanctifie, il brise la pénalité du péché dans ma vie, il brise la puissance du péché. Il a mis son Saint-Esprit en moi. Donc, Jésus, c'est pas une solution, c'est notre seule solution. Et c'est pourquoi je dis souvent aux gens, accroche-toi, Jésus, accroche-toi, Jésus. Aujourd'hui, ce matin, je me suis levé après au-delà de 25 ans de pastorat. J'avais encore désespérément besoin de m'accrocher de Jésus à Jésus. J'ai autant besoin maintenant de Jésus en prêchant. Mon cœur pécheur a encore besoin de Jésus, aussi besoin de Jésus maintenant, alors que je prêche la parole de Dieu, que 30 ans quand je suis rentré dans une église complètement gelée, complètement perdue dans la sorcellerie, dans l'occultisme, et présentement où je te parle, j'ai autant besoin de la grâce de Dieu. Décide si Jésus est vraiment sauveur. Verset 10. Esther dit à Attaque, en lui ordonnant de le rapporter à Mardoché, « Tous les serviteurs du roi, ainsi que tous les peuples de toutes les provinces royales, savent que quiconque, homme ou femme, se présente au roi dans la cour intérieure sans avoir été convoqué et mis à mort en vertu d'une loi, la même pour tous. Seul peut rester en vie celui à qui le roi tend son sceptre d'or. Or, oh, moi, voilà trente jours que je n'ai plus été invité à venir chez le roi. Mardoché dit à Esther, va voir le roi. Puis elle lui rappelle la loi, c'est que tu ne peux pas te présenter devant le roi comme. Même si es sa femme, personne ne peut se présenter devant le roi. Il faut que le roi t'appelle. Si tu te présentes devant le roi et tu n'as pas appelé, tu arrives, tu dis Hey, salut mon amour, comment ça va? Tu es là. C'est la loi des Perses. Puis elle dit En plus de ça, ça fait, ça fait un mois qu'il ne m'a pas appelé. Après cinq ans de mariage, Finalement, Esther n'est plus à la faveur du moi. Donc, je ne suis même pas dans les faveurs du roi. si là C'est trop risqué. Et en fait, Esther a une décision que chaque chrétien doit prendre. Tu dois décider si tu veux vraiment laisser la peur diriger ta vie. Décide si tu veux vraiment laisser la peur diriger ta vie. Veux-tu vraiment laisser la peur continuer de diriger ta vie? Le palais royal est un endroit dangereux. C'est un endroit, et Vachti nous l'a montré, hein, où tu peux perdre ta réputation, ton influence, tu peux perdre ton confort. Esther peut perdre sa sécurité, elle peut perdre ses relations. Et c'est pourquoi c'est plus facile pour elle de taire son identité chrétienne. C'est plus facile pour elle de taire ses convictions bibliques. Pourquoi? Parce que c'est un lieu dangereux. Il y a des gens qui m'écoutent, tu es dans un milieu dangereux pour ta foi. Il y a des gens, tu es peut-être professeur, puis il faut que tu taises le fait que tu es chrétien. Ben, ça peut être dangereux pour toi. Des gens, tu es infirmière, puis il faut que tu taises tes convictions religieuses. Parce qu'encore une fois, c'est pas à la mode. D'autres, tu fonctionnaire. Tu dois taire tes convictions religieuses, parce qu'encore une fois, en tant que chrétien, tu peux être dans une situation très inconfortable. D'autres, tu un jeune à l'université dans des débats, dans des classes, de prendre la parole, puis d'affirmer tes convictions christocentriques. Ça peut être dangereux pour ta note, ça peut être dangereux pour... peu importe. D'autres, c'est euh, peut-être même avec tes parents. Hein, J'ai une jeune fille qui, qui me disait qu'elle est devenue chrétienne, puis elle ne peut pas le dire à son père, c'est dangereux, parce que son père est musulman. Toute la famille doit être musulmane, donc c'est dangereux. La réalité, c'est qu'il y en a d'autres, c'est des amis. Euh, Esther, son mari, ne sait même pas qu'elle est croyante. Hein? Et puis il y a des gens, tu m'écoutes même, à un autre niveau, tes collègues ne savent même pas que tu es chrétien ou chrétienne. On te demande qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine oh, Qu'est-ce que tu as fait dimanche oh, pff, tout, tout, tout. Tu dis tout ce que tu as fait autour de l'Église. Hein? Il y a des gens, c'est. Tu amènes ta Bible au travail, mais tu la lis discrètement, tu veux que personne te voit, ou tu la recouvres, ou, ou tu ne veux pas trop parler de ta foi, tu ne veux pas. Et présentement, on a beaucoup de chrétiens qui n'affichent pas leur foi. Il y a beaucoup de gens, si j'allais voir ton patron, tes collègues, je disais, est-ce que tu savais que as une personne est chrétienne? Je disais, ben voyons, voyons donc, voyons. Déjà, tes, tes voisins ne savent même pas que tu es chrétien. Il des gens même dans ta famille qui ne savent même pas que tu es chrétien. Maintenant, pourquoi? Parce que... T'as peur, peu importe. Jésus a dit Celui qui aura honte de moi, j'aurai honte de lui. Maintenant, possible, Jésus a dit On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Jésus ne t'a pas sauvé pour que tu caches ton salut. Et tu dois te poser la question, puis chaque chrétien doit se poser la question Est-ce que je vais plus craindre les hommes, ce que les hommes pensent de moi, ou est-ce que je vais plus craindre mon Dieu Plusieurs années, on était faire du rafting. Ma belle sœur était, était une, une monitrice. Puis elle dit, OK, elle dit, Arrivez, puis vous savez, il y a les gros bateaux. Puis quand on est arrivé, elle dit, Finalement, il y a des groupes, nous, on va avoir un, un petit bateau, tout petit bateau. Je dis OK, c'est quoi la différence Elle dit, C'est juste ça brasse plus. Euh, l'eau, en plus, la rivière était très, très élevée. Puis moi, je, tu dois savoir que l'eau, c'est pas mon élément préféré. Je suis nager, mais je suis pas super confortable sur l'eau. Euh, et la réalité, c'est que. Là on arrive, là je commence à me dire ok ça va brasser, puis là je vois les rapides et deux jours avant il y a quelqu'un à cet endroit-là qui était mort, okay, juste pour ajouter. Et là on était sur le, le petit radeau, puis là il y, a, il y a les gros radeaux qui sont là, puis euh, c'est là c'est tranquille, les rapides sont au loin, puis on s'en va tranquillement. Puis moi je me dis ok il faut, j'ai peur de tomber dans l'eau, si je tombe dans les rapides ça. Puis, puis là je me dis non mais je peux pas, je peux pas passer la journée à avoir peur de tomber. Fait que là à un moment donné alors que tout le monde est tranquille, moi je me lève puis je crie je ah, puis je me lance dans l'eau. Ma femme dit qu'est-ce que tu fais? Je, dis, je me suis lancé, je dis, voici, c'est fait. Comme, je refuse de laisser d'avoir peur ta journée, je l'ai déjà fait. Il y a des gens qui sont là, il faut que tu te jettes à l'eau. Je dis plus loin. Il y a des gens, tu dois faire ton coming out spirituel. Tu dois sortir du placard. Tout le monde autour de toi doit savoir que tu es chrétien. Si tu un enfant de Dieu, je te défie dans les prochains jours, prie. Mais arrange-toi pour que tout le monde autour de toi sache que tu es un disciple de Jésus. Sors du placard au nom de Jésus. Décide si tu veux vraiment laisser la peur diriger ta vie ou si tu veux vraiment être un disciple de Jésus. Et c'est le prochain point. Et c'est exactement ce qu'Esther, le défi auquel Esther fait face. Verset 13. Mardochée fit répondre à Esther Ne t'imagine pas, Majesté. Que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, car si tu continues à te taire en cette occasion, le soulagement et la libération des Juifs surgiront d'un autre côté, alors que toi et ta maison et la maison de ton père, vous périrez. D'ailleurs, qui sait si ce n'est pour une occasion ou un temps comme celui-ci ou une occasion comme celle-ci que tu es parvenu à la royauté? Wow! OK. Décide si l'enfer est vraiment réel, parce que ça va déterminer beaucoup de choses dans ta vie. Deuxièmement, Décide si la Bible est vraiment la parole de Dieu. Est-ce que c'est ça qui fait autorité dans ta vie? Ça change tout. Décide si Jésus est vraiment sauveur. Est-ce que Jésus est vraiment ta seule solution? Est-ce que Jésus est vraiment ton plus grand trésor? Décide si tu veux vraiment laisser la peur diriger ta vie. Est-ce que c'est la peur de ce que les autres pensent de toi qui va diriger ta vie? Et décide si tu es vraiment un disciple de Jésus. Vous savez, Esther, c'est le seul personnage en Livre d'Esther, on a deux noms, il y a deux identités. Chaque chrétien, on a deux identités. Hein? On a, on a deux, deux natures, on a, a l'Esprit et la chair, il y a un combat entre nous. Et on doit toujours décider à chaque instant, est-ce que je vais marcher selon ma vieille nature, selon la chair, ou est-ce que je vais marcher en fonction de ma nouvelle nature en Christ par l'Esprit C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire, marcher par l'Esprit, vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Car l'esprit et la chair ont des désirs opposés afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Maintenant, Esther, en quelque sorte, doit décider. Est-ce qu'Esther va marcher par la chair, par la peur? Est-ce qu'elle va vouloir protéger son confort, sa sécurité? Ou est-ce qu'Esther va afficher sa foi avec courage et va honorer son Dieu? Et elle doit décider. Vous savez, quand on regarde notre combat, chair et esprit, on est tous un peu comme des véhicules hybrides. Un véhicule hybride, c'est que tu as le véhicule à essence et à un moment donné, tu passes en mode électrique. Et après ça, quand tu as besoin de recharger, tu peux passer en mode essence, électrique, essence électrique. Tu dois choisir ce qui va... Quelle est l'énergie qui dirige ta vie? Est-ce que c'est la chair ou est-ce que c'est l'esprit? Est-ce que tu es en mode essence ou en mode électrique? Et la réalité, c'est que tu ne peux pas... Comment je pourrais dire ça? Il y a des gens qui m'écoutent, OK? Tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas né de nouveau. Ce n'est pas une insulte, c'est un constat. Et tu es là et tu dis, OK, moi, oui, je vais suivre Jésus, je vais me comporter en chrétien, je vais devenir chrétien. Non. Non, ce n'est pas parce que tu fais des choses de chrétien que tu es un chrétien. C'est quand tu es un chrétien que tu fais des choses de chrétien. Moi, ma voiture est à essence. Je peux tenter de la brancher dans la borne électrique tant ou longtemps que je veux. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de nouvelles voitures. Mon ami, ce que tu as besoin, ce n'est pas d'une nouvelle religion, ce n'est pas d'un nouveau code moral, tu as besoin d'un cœur nouveau. Et lorsque tu as ce cœur nouveau, ce cœur nouveau te donne de marcher par l'esprit. Je parlais avec ma belle-mère et euh, ma belle-mère est âgée. Euh, et pas très technologique. Puis je lui disais, tu sais que tu peux, euh, tu peux au Québec, pardonnez-moi les amis européens, on a ce qu'on appelle une. Une télécommande Elix. Et tu peux parler à de la télécommande. Tu dis télécommande euh, YouTube, télécommande telle radio, tel programme, tel poste de télévision. Donc, tu parles. Et moi, je dis à ma belle-mère, je dis oui, mais elle dit comment je fais pour écouter de la musique chrétienne. Je dis c'est simple. Tu prends ta télécommande, puis tu parles à ta télécommande. Puis tu dis Elix, je veux par exemple Stingray musique chrétienne. Puis là, je lui explique tu sais, comme, comment ça fonctionne, puis ce qu'il faut dire. Puis là, comment ça... Puis après ça, après coup, j'ai réalisé que mais ma belle-mère n'a pas elix Donc, elle peut parler à cette télécommande, tant ou sinon, longtemps, elle peut crier au nom de Jésus, ça fonctionne pas, parce qu'il n'y a pas la fonction, ce n'est pas, pas la bonne manette. Donc, tu peux arriver puis tu peux vouloir te comporter en chrétien, tu peux jeûner, tu peux prier, aller à l'église, mais ce que tu as besoin, c'est de nouvelle naissance, d'une nouvelle nature. Et avec cette nouvelle, il y a une fonction spirituelle te permet de délaisser la fonction charnelle pour marcher dans la fonction spirituelle. Et regarde, Esther, en fait, elle doit apprendre cinq principes de sanctification. Dans la vie chrétienne, tu as la justification, c'est le moment où tu te confies en Jésus, Dieu te déclare juste, te pardonne. Ça, c'est instantané. Mais la sanctification, c'est le processus par lequel Dieu nous amène à ressembler de plus en plus à Jésus. Et là, Esther doit apprendre des règles de sanctification. Il y a des gens ici, tu parlais des gens, tu n'es pas né nouveau. Il y a des gens, tu es né nouveau, tu chrétien. Ton problème, c'est pas un problème de justification, c'est un problème de sanctification. Tu as besoin d'apprendre les principes de maturité chrétienne, comme Esther. Et Mardoché lui donne cinq enseignements de sanctification. Premièrement, il lui dit, arrête de t'imaginer que toi seul, tu vas t'en sortir. Voici le principe. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont l'impression d'être l'exception. Je vais juste te rappeler, tu n'es pas un flocon, tu n'es pas, pas merveilleux, non, tu es, es, es ordinaire. Beaucoup de chrétiens, il y a des principes, des principes bibliques, tu as l'impression comme, oui, c'est la parole de Dieu, c'est un beau principe général, mais Dieu connaît mon cœur, ça ne s'applique pas à moi. Mon ami, la Bible dit que Dieu ne fait pas d'exception. Ah, au gym, il y a des règles partout, il y a des petits cartons qui disent, après avoir utilisé les machines, les poids, on doit désinfecter. Il n'y a personne qui fait ça. Tout le monde pense que c'est pour les autres. Et le dimanche matin, le pasteur prêche, puis il y a plein de gens qui pensent, ils disent Amen, mais pour les autres. Mon ami, ça s'adresse à toi. mardochy dit Esther, tu es pas l'exception, ça s'adresse à toi. Puis il lui dit Si tu continues à ta, à ta terre. Donc, arrête d'attendre que les autres fassent le travail. Un autre principe de sanctification, arrête d'attendre que les autres vont faire ce que Dieu te demande à toi de faire. En ce moment, les gens disent Oh, voici l'Église, voici ce que l'Église devrait faire. Mais C'est toi l'Église, fais-le. Hein, il y a une dame qui s'appelle Gladys Elwood, qui, euh, dans les années 20, elle avait 20 ans, puis euh, un, un matin, dans une église, elle entend une prédication sur la mission en Chine, et son cœur déborde, déborde pour la Chine, puis elle se dit Faut, Ça nous prend plus de missionnaires. Donc, elle commence à, à, à aller voir les gens, elle commence à aller voir les gens autour d'elle Hey, hey, il faut que tu ailles en Chine, il faut que tu ailles en Chine, il faut que tu ailles en Chine. Elle commence à appeler des gens. Elle prend le, le bâton, elle appelle des avocats, elle appelle des gens comme hey, Vous êtes chrétien, on a besoin, il hey, faut faire un projet, il faut envoyer des, des missionnaires en Chine. Puis là, elle, elle fait une campagne pour avoir des missionnaires en Chine, des missionnaires en Chine. Puis à un moment donné, ça ne marche pas. Fait qu'elle va voir son frère, puis elle dit Toi, va en Chine, va en Chine. Puis là, son frère lui dit Mais si tu as ça à cœur, la mission en Chine, vas-y, toi. Là, elle a réalisé hey, C'est vrai. Et elle est partie en Chine, puis elle a eu un ministère là-bas pendant des années. Est-ce que tu crois que notre monde a besoin de plus de missionnaires? Amen. Est-ce que ça se pourrait que ce soit toi le missionnaire que Dieu va envoyer là-bas? Oh, on a besoin de plus de pasteurs, OK? Pourquoi toi tu ne rentres pas dans le ministère? Pourquoi toi tu ne deviens pas pasteur? Oh, on a besoin de, de s'occuper de mieux des jeunes, OK? Implique-toi. Au portail, dimanche matin, euh, Dieu nous fait grâce, on a des belles réunions remplies. Stationnement, c'était le chaos. Dans le ce stationnement, c'est comme... Ah, Quelqu'un dit ah oh, on a besoin de plus de monde dans le stationnement ok merci frère quand est-ce que commence donc un principe c'est qu'Esther s'attendait que quelqu'un était pour le faire on s'attend toujours que quelqu'un va le faire ah, il faudrait que les gens prient il commence à prier et Mardochée lui dit ben commence par le faire toi-même il lui dit si tu fais rien la délivrance va arriver d'un autre côté c'est l'image le plan de Dieu est comme un train Dieu va accomplir son plan pour sa gloire le plan de Dieu, c'est pas ce qu'il va Il va s'accomplir. Maintenant, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui sont dans le train et ceux qui sont dans le train. Je sais pas pour toi, mais moi, je veux pas m'opposer à ce que Dieu veut faire, je vais être dans le train. Et Esther pense qu'elle peut regarder le train passer, puis Mardoché lui dit par l'esprit Esther, il est temps que tu embarques dans le train. Il y a des gens qui m'écoutent. Tu es un disciple de Jésus, mais tu pas engagé. Il est temps que tu embarques dans le train, il est temps que tu fasses l'œuvre, il est temps que tu t'engages, il est temps que tu t'impliques, il est temps que tu fasses la différence, il est temps que tu brilles là où Dieu te place. Il lui dit, si tu ne le fais pas, vous périrez. Parce que Esther a peur de mourir. Puis il dit, mais si tu ne le fais pas, tu vas mourir pareil. C'est un peu ce que Jésus dit. Jésus dit, celui qui veut sauver sa vie va la perdre, celui qui va perdre sa vie va la sauver. OK, si tu es un enfant de Dieu, tu sais quoi? T'es une Ferrari spirituelle. Ça veut dire quoi une Ferrari spirituelle Je me suis laissé dire que lorsque t'es une Ferrari, tu peux pas la laisser dans ton garage comme un musée. Tu dois la sortir et tu dois, comme on dit au Québec, rincer le moteur. Tu dois. Et là, c'est pas faire une petite promenade à 30 km/h. Pourquoi Tu ne veux pas que le moteur s'encrasse Une Ferrari, c'est pas une Hyundai. Et dans des critiques qui se comportent en Hyundai. tu es une Ferrari. Dieu t'appelle à plus. Dieu t'appelle pour sa gloire. Dieu t'appelle à servir. Dieu t'appelle à marcher par l'esprit. Dieu t'appelle à être centré sur Jésus. Dieu t'appelle à honorer la Bible. Dieu t'appelle à honorer, à aimer les gens. Dieu t'appelle à évangéliser. Dieu t'appelle à plus. Sors du garage. Esther pense que non, non. Puis il lui dit non. Tu es en train de mourir. Puis il y a des critiques qui sont en train de mourir. Pourquoi? Parce que tu vis une petite vie chrétienne médiocre, alors que Dieu t'appelle à sa gloire. Commence à croire pour de grandes choses. Commence à espérer de grandes choses. Parce que tu es un grand sauveur, puis il y a des grands besoins autour de toi. Puis il lui dit qui sait, ce n'est pas une occasion comme celle-ci, pourquoi tu es parvenu à la royauté? En fait, il en dit, est en train de dire, c'est Dieu qui te placé reine. Mon ami, Dieu a un plan parfait. Dieu t'a placé là où tu es, en 2023, que ce soit au Québec, en France, en Suisse, en Afrique, peu importe, aux États-Unis, là où tu es, Dieu t'a placé à l'endroit là où tu es. Il t'a sauvé et placé à l'endroit là où tu es. Tu es parvenu où tu es dans la vie pour une raison bien précise. Dieu t'a placé dans le quartier dans lequel tu es pour une raison précise. Dieu t'a placé au travail, à un endroit précis, pour un plan précis. Et un peu comme un, un casse-tête où le dernier morceau, il y a un morceau, et chaque morceau est unique. Tu n'es pas une exception, mais nous sommes uniques. Et tu te demandes comme pourquoi Dieu a permis telle chose? Pourquoi j'ai comme une telle chose dans ma vie? Pourquoi j'ai une petite chose? Pourquoi? 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 Dieu t'a façonné comme ce morceau de casse-tête. Lui seul peut compléter le tableau. Dieu t'a préparé avec tes failles, avec tes qualités, tes défauts, tes dons, ton historique, tes blessures, avec tout ce que tu es pour un moment comme celui-ci. Décide si tu es vraiment un disciple de Jésus. Et terminons, versets 15 à 17. Esther fit répondre à Mardoché, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Jeûner à mon intention, sans manger ni boire pendant trois jours, 24 heures sur 24. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes jeunes servantes, dans ces conditions J'irai chez le roi malgré la loi. Si c'est pour ma perte, je périrai. Wow! Wow! Mardoché s'en alla pour faire tout ce que qu'Esther lui avait ordonné. Elle dit S'il faut que je meure, je vais mourir. Wow! Mon ami, je ne veux pas être dramatique. Beaucoup de choses, tu dois décider, mais. Le chrétien doit décider si tu es vraiment prêt à mourir pour Jésus. Et je sais que ça peut sembler théorique aujourd'hui en Occident, mais tu ne peux pas répondre oui sans réaliser que Jésus te demande, premièrement, de mourir à toi-même. Vous savez, Jésus a dit OK, je vais le dire autrement. Moi, en tant que pasteur, au travers des années, des gens qui ont fait confession de foi, j'en ai vu des milliers, des milliers de gens qui ont dit Jésus mon sauveur. Et j'en ai vu des centaines abandonner le Seigneur. Jésus a dit, quand quelqu'un veut construire une tour, calcule d'abord si c'est as assez de moyens pour terminer la tour. J'étais en Moldavie il y a quelques années pour un voyage missionnaire et à un moment donné, en Moldavie, c'est quand même pauvre, beaucoup d'endroits c'est délabré, il n'y a pas grand-chose de neuf là-bas. Puis on arrive, puis il y a une super tour au loin. On s'en est dans un village, puis il y a une super belle tour, comme, waouh, c'est ça. C'est un peu bizarre parce que c'est comme neuf, ça ne marche pas, là. C'est un peu, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C est, c est... Puis le missionnaire, il dit, tu vois, cette belle tour-là, il dit, elle est vide. Il dit, la compagnie qui l'a bâtie, ils l'ont toute bâtie, elle est presque finie. Ils ont juste manqué de fond vers la fin. Ça qu'ils ont été incapables de compléter. Et là, finalement, c'est probablement le plus beau monument que j'ai vu en Moldavie, mais c'est un, bon, un monument vide. Ah, J'en ai vu des gens comme ça. Des gens qui, des beaux monuments de, à la gloire de Jésus vide. Mon ami, nous avons commencé, on veut terminer. On veut terminer. Et pour terminer, calcule le coût. Jésus a dit, le grain, s'il ne meurt, ne peut porter du vie, ne peut porter de fruits. Hein, la, la semence, il faut que tu l'entardes qu'elle porte du fruit. Un chrétien qui porte du fruit, c'est un chrétien qui comprend qu'il doit mourir à lui-même. Jésus dit, « Si tu veux me suivre, renonce à toi-même. » La parole de Dieu nous dit dans Colossiens 3.5, « Faites mourir votre chair. » Galate 2.20 dit, « Je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Mon ami, je ne veux pas te prêcher un évangile bonbon, Jésus te donne tout, mais ça peut tout coûter de suivre Jésus. Peut-être de se tenir pour Jésus, peut-être que tu vas perdre ta job, peut-être que tu vas perdre des relations, peut-être que tu vas. Il y a des frères et des sœurs qui perdent leur vie. Le problème, ce n'est pas un problème de détermination. Alors, je ne te dis pas, hey, le courage! Non, ce n'est pas un problème de détermination, c'est un problème d'évaluation. Le problème des chrétiens modernes, ce n'est pas qu'on n'est pas, qu pas assez déterminé pour qu'on n'est pas. Non! C'est un problème d'évaluation, c'est qu'on évalue notre vie présente plus précieuse que ce que Jésus est. Jésus va dire, il y a un homme à un moment donné qui découvre une perle de grand prix, découvre un trésor dans un champ, puis ce qu'il va faire, il va aller vendre tout ce qu'il a pour acheter le champ. Pourquoi? Parce que le trésor est plus grand que tout ce qu'il a. Mon ami prie que Jésus te fasse réaliser combien il est plus grand que tes ambitions, il est plus grand que tes rêves, Jésus est plus grand que notre vie, Jésus est plus grand que nos finances, Jésus est plus grand que nos amis, Jésus est plus grand que tout. Esther, le changement dans sa vie s'est dit, c'est quoi Ça va à ce moment-là qu'elle devient la reine Esther. Si je dois périr, je vais périr. Ma vie est entre les mains de Dieu. Pourquoi à ce moment-là Dieu a plus de valeur dans son cœur que sa propre vie. Et c'est là qu'elle devient dangereuse. Le chrétien dangereux, c'est le chrétien qui est mort à lui-même. Le chrétien qui, qui est mondain, charnel, n'est pas dangereux, le diable n'a pas peur de ça. À ce moment-là, là, regarde bien, là, pour les prochaines prédications, Esther, elle devient dangereuse. Frères, sœurs, par la grâce de Dieu, devenons des chrétiens dangereux. Un chrétien qui est mort à lui-même n'a rien à perdre. Il vit totalement pour le royaume, il vit totalement pour Jésus. Seigneur, fais-nous grâce, viens à notre secours, fais-nous réaliser combien Jésus est notre plus grand trésor, combien Jésus est la perle de grand prix. Seigneur, sers-toi de nous. L'autre, tu nous as placés pour un temps comme celui-ci, de nous de briller, de nous de s'afficher, de nous de se tenir pour toi, de nous de t'honorer, de te glorifier, de nous de faire le bien, de nous d'aimer les gens. Donne-nous, donne-nous de marcher par l'Esprit pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen, Amen. C'était la parole de Dieu. J'espère que ce message t'a permis d'en connaître plus sur Jésus. Si tu désires en savoir plus sur lui ou sur l'Église, je t'invite à nous écrire à info commercial de portailcom et un membre de notre personnel te contactera dans les plus brefs délais afin de prendre du temps avec toi. En terminant, merci de votre soutien à l'œuvre de Jésus par la prière et par vos dons. Parce qu'il continue à sauver et transformer des vies aujourd'hui. Votre soutien est important et contribue à notre mission qui a pour objectif de prêcher la bonne nouvelle à tout le monde afin qu'ils découvrent que tout a toujours rapport avec Jésus. Donc, pour nous soutenir, vous pouvez le faire directement via votre institution bancaire ou en, en écrivant à donagommercialéglisedeportail.com. À Au nom de toute l'équipe, passez une belle semaine.